En février 1979, nous sommes partis en classe de neige à Saint-Jean-d'Aulps. Nous avons roulé toute la nuit. Au petit matin, nous avons découvert les Alpes. C'est dans ce charmant village de Haute-Savoie, situé à 800 mètres d'altitude, que nous avons passé nos 3 agréables semaines en classe de neige. Le matin, on nous réveillait à 7h30. Après la toilette, nous descendons au trottoir à 8h. À 9h, nous rentrions dans la classe qui se trouvait à l'intérieur du chalet. Quelquefois, nous allions faire une visite pour mieux connaître les activités locales. On a uniquement des filets, hein, comme des attrapes papillons, on a vu ça, on appelle ça des épuisettes. Mais la canne est un peu plus longue parce que les bassins font 3 mètres. Hein.
il faut qu'elle pouvoir attraper la truite assez loin. Mais pas parler des variétés de truites, hein. Il y a différentes variétés, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des truites jaunes, hein. Ce sont des albinos, ça c'est une anomalie. Hein. Vous savez ce que c'est qu'un albinos, je pense. Hein. Mais on a des différentes variétés de truites, la plupart des truites que vous avez vues sont des truites arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel est une truite d'importation du Canada. En élevage, on prend la truite quand elle est prête à faire les œufs, et on les fait faire les œufs dans un récipient, puis on fait féconder ces œufs par le mâle, et on les met dans les petits bassins, qu'on appelle des incubateurs. Les œufs sont déposés sur des grilles, et on a un courant qui arrive par l'amont, qui passe dessous l'incubateur, l'eau passe à travers les grilles, donc, et à travers les œufs, et ressort par le dessus, pour lui donner un léger courant. Pendant que nous étions à la visite, les cuisinières nous préparaient notre bon repas. À midi et quart, nous descendions nous mettre à table. Après le repas, nous nous sommes équipés pour aller skier. Thank you.
arrivés en haut de la station, nous chaussions nos skis. Première leçon, nous avons appris à descendre de petites pentes et à les remonter en escalier. Au bout de quelques jours, nous avons utilisé le petit téléski. Nos moniteurs nous ont emmenés sur de plus grandes pistes. Après-midi, nous rentrions au chalet pour nous doucher et souper. C'était l'anniversaire d'Isabelle. Elle avait 11 ans. Vétérinaire, d'un seul coup la cheval, j'ai vu pleurer mon père pour la première fois.
s'appelait Turbo. Pendant que Guy chantait une chanson, Didier racontait une de ses nouvelles histoires. Au bout de la tasse, enfin, bien le bon Dieu a oublié de le sortir et puis faire la réanimation parce que c'était complètement bon. Ils sont à peu près tous, alors ils ont du mal à marcher. Bon, ben, on va quand même aller se reposer dans la montagne, loin des hommes et des elfes, parce qu'ils ont dû s'apercevoir de notre fuite. Alors ils vont aller à notre recherche. Ils vont un peu dans la montagne et ils commencent à se reposer, ils dorment. Et toute la journée se passe. Ça se passe. La nuit, la journée, parce qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils ont dormi une nuit, une journée, puis encore une nuit. Toujours. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Et les jours passaient. Le samedi soir, nous organisions une veillée pour nous distraire après souper. Comme tous les dimanches, nous allions en promenade. Ce jour-là, nous sortions au col du Corbier. Alain comment? Bordjan. Qu'est-ce que vous faites assis sur ce banc?
Je me repose. Pour contempler les étoiles? Non. Un matin, M. Contegredon nous invita à visiter sa ferme. Nous avons d'abord visité son étable. Est-ce que vous le déplacez quoi, quand il fait froid, tout ça? Est-ce que vous le mettez ici? Ah oui, l'hiver, on rentre à l'étable ici. L'été, ils sortent? Combien? L'été, on les met dans les parcs. Combien pèse à peu près une vache? Une vache, elle fait dans les 4, une vache comme celle-là, elle fait dans les 480-500 kilos. Ensuite, il nous a conduit à sa bergerie. Deux mois et demi, trois mois avant de les monter à la montagne. Parce que les moutons, on les garde l'hiver ici, puis après on les met dans les parcs, comme les vaches. Puis après, on les monte à la montagne, au mois de juillet. Pourquoi il y a des agneaux qui ont la tête noire? Ah, bah ça, celle-là, tu sais, c'est comme tout. C'est la nature, oui. Vous avez à peu près combien de moutons? Il y a à peu près, là, il y en a une soixantaine. Comment ils sont gardés, les moutons, là-haut? Là-haut, il y a un berger, de temps en temps, avec. Bah, quand il n'y a pas de berger, ils se gardent tout seuls. Un matin, nous fûmes surpris en nous réveillant de découvrir la vallée tout enneigée. Au cours de notre séjour, nous avons fait d'autres visites. Un sympathique artisan, M. Braise, nous a expliqué comment il fabriquait ses petits chalets. Il nous a montré son atelier où il découpait le bois, puis nous avons vu l'assemblage de chaque pièce et la décoration. Vous en faites combien dans une journée des chalets? Une trentaine en moyenne.
Ensuite, Mademoiselle Panetier, qui fabriquait également des souvenirs, a modelé devant nous ces petits santons. Vous savez qu'on peut faire du modelage, qu'on peut faire de l'estampage, c'est-à-dire mettre dans un moule, hein, et qu'on peut aussi tourner. Alors ici, ce que vous allez voir, c'est la technique du colombin. C'est-à-dire qu'on fait un petit boudin de terre. Alors mes figurines ne sont pas moulées, hein. Elles sont donc faites une par une, pièce par pièce. Là, je vois un défaut, je recommence. Bon, il faut peindre la figure, le pull, le pantalon, les chaussures, le bonnet. Après quoi, après, il faut redessiner les yeux, faire les dessins sur tout le verre. Il faut... Souvent le soir après souper, un bon gâteau nous attendait car nous avons fêté tous les anniversaires de mes camarades. Départ, nous avons passé nos étoiles à la grande terche. Certains passaient la première étoile. Quelques élèves ont même passé leur deuxième étoile. Quand on nous a remis les étoiles, nous étions inquiets, mais nous fûmes très heureux car tout le monde avait réussi. Ensuite, nous avons pu déguster une bonne fondue savoyarde. Arriva trop rapidement. Nous devions rentrer. Nous avons rendu nos skis et fait nos valises. Nous sommes tous un peu tristes de quitter l'abbaye et ses habitants. Au revoir les cuisinières Mémène, Jeanne, Thérèse, Sophie et Madame Côté-Guédon. Au revoir, Monsieur Côté-Guédon. Au revoir, Anne, notre monitrice. Au revoir à tous et merci de votre accueil.
C'est sur ce dernier sourire que nous vous quittons, en espérant bientôt vous revoir.